Monsieur le présentateur, j'ai une encore mauvaise nouvelle à vous annoncer. Et annoncer surtout à Fairy Tail. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Votre maître est mort. Quoi? Comment c'est possible? Non, c'est pas possible. C'est le moment. Vous en êtes sûr? Oh oui, j'en suis bien sûr. On va créer le chasseur d'esprit. Apportez les chasseurs de dragons ici. Et apportez-vous aussi. C'est comme si c'était fait, maître. Eh bien voilà. Vous êtes tous prêts. Préparez-vous bien. Surtout Xinjin et Yukati. Car je vais lancer le processus. Ne vous étonnez pas si vous êtes évanoui, c'est normal. Ouais, même si on saura que quand on se réveillera. Vous en faites pas. Je vous réveillerai juste après. Ok, merci, maître. Bon. Alors on peut commencer. Attention. 3, 2, 1. Maintenant, il me suffit d'ouvrir ça. Et voilà, le chasseur d'esprit. Oh, pas possible. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ouais, on se demande bien. Et on ne sait même pas qui le maître a pris comme successeur. Si, il a dit que ce serait moi. Toi? Ah, je savais pas quand Altair Force m'a demandé qu'il allait devenir maître. Ah, Romain a voulu savoir qui était le prochain maître, pour savoir où se trouve la Fairy Light. Sauf que maintenant, personne ne sait où se trouve la Fairy Light, puisque le maître est mort. Puisqu'il ne l'a dit à personne. Même pas à toi? Ah, je crois que si, mais je suis pas sûr. De toute façon, je m'en rappelle plus. Eh ben dis donc, c'est un truc hyper important. Et toi, tu t'en rappelles plus. Eh ben j'y peux rien, j'ai pas écouté la dernière fois. Enfin, je suis pas sûr. Je suis pas sûr qu'il l'ait dit. Bon, de toute façon, on n'a pas eu besoin de la Fairy Light maintenant. Pour combattre. Ouais, c'est vrai. Et surtout, j'ai une nouvelle magie. Quoi? Pourquoi tu l'as pas dit plus tôt? Mais en fait, je l'ai pas depuis longtemps. Ça fait, je sais pas, un jour, deux jours. Et qui c'est qui t'a donné? Ah, en fait, je vous l'ai déjà dit. Ah bon? Quand ça? Je sais plus, ça devait être quand on discutait ici, j'étais parti voir Merlou. Ou une chose comme ça. Ah bon? J'en souviens plus. Et tu parlais de quoi déjà là tout de suite? Ah, de ma nouvelle magie! Marie, pourquoi tu réponds pas? Ainsi, mais t'as posé une question. Oh là, il y a un truc qui se cache là. Peut-être. Il y a peut-être un sort qui nous empêche de. D'entendre ce que tu dis. Ah non, vous m'avez répondu! Ah bon? Oula, je crois que je deviens fou là. Bon, c'est pas la première priorité. La première priorité. Pour l'instant, c'est d'évaluer les dégâts. Et de retrouver Joseph et Enzo, et Roman et tout. Je cherche pas. Vous avez dit qu'ils étaient avec le gars... Nelior. Oui, mais attendez! J'ai quelque chose de très important à vous dire. Vas-y, dis-le. Mais je sais pas si je dois le dire parce que... Bon, désolé. Je vous le dis, désolé, je suis vraiment désolé. Pourquoi? En fait... Papé n'est pas mort de vieillesse. Il a été tué par Zoro. Quoi? Hein?
Hein, c'est pas vrai. Hein? Donc c'est Romain qui l'a ordonné. J'aurais dû l'éliminer depuis longtemps. Mais maintenant... Quoi? Je crois pas. J'ai passé quoi? T'as la vie? Hans? Je crois. Je suis même sûr. C'est une malédiction que quelqu'un lui a lancée. Il ne devait pas révéler cette information. Donc, c'est Romain et tout? Oui, presque sûr. Raison de plus pour l'anéantir tout de suite. Ouais, t'as raison. Ils sont dans l'arène. Je les ai vus tout à l'heure. Ils ont pas dû partir. Ah bon? Non, je suis sûr. Hein? Taiyachi l'a dit. Et ben mince. Non. Il a explosé de toute façon. Il est courageux, ce gars. Il s'est sacrifié pour dire la vérité à Fairy Tail. Bah dis donc. Fairy Tail, que tu fais intervenir? Eh bien, il faut anéantir à Terre Force. Quoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est eux qui ont tué le maître de Fairy Tail. Ah bon? Comment vous pouvez en être sûr? Eh bien, Taiyachi vient nous le dire et il a explosé juste après. Une malédiction. Ce qui ne prouve pas que c'est la Terre Force qui a tué votre maître. Bon, tant pis, je les attaque. Hop, 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 les grands jeux de la magie sont terminés. Oh, j'ai senti du vent. Qu'est-ce qu'il croit? Pouvoir nous battre? Tom! Peau de paralysée. J'arrive jamais à résister à ce truc-là. Il est temps pour nous de s'en aller. Oui, je crois bien. À moi. Tu en es sûr? Oui, j'ai ressenti la présence de la vraie muse de Joseph. Donc en fait, ce Joseph-là, c'était pas le bon. Si, mais bon. En fait, je pense qu'il s'est divisé par deux. Un qui ne se souvient de rien et un qui se souvient de tout. Il ne peut pas agir quand il est séparé. Ok, faut régler ça. Fais ton boulot, chasseur d'esprit. Qui es-tu? C'est pas possible. C'est ça, ma fille? Je crois que... Ouais, c'est...